अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, l'épisode précédent. Ce n'est pas qu'un dessin, c'est plus une question qu'on se pose. Quand il sera grand, il finira par vouloir nouer des tresses et non pas tenir des pistolets. T'y penses ? Donne-moi ça, donne-moi ça. Rupendra n'ira pas à l'école. Je vais faire une demande d'admission dans une telle école où il n'y aura que des garçons. Il n'y aura pas de filles. Papa ! Bravo à Rupendra et Chapcher! Bravo! Allez! Bravo! 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 Monsieur Chapcher, Rupendra est un garçon courageux. Oui, il est courageux. Après tout, il s'agit de mon fils. Et ces derniers temps, il est devenu celui dont tout le monde parle. La suite maintenant. Écoutez, Rupendra est très populaire, vous savez. Tout le monde l'adore. S'il vous plaît, ne lui faites pas changer d'école. Être célèbre, c'est ce que je ne veux pas qu'il soit. Je veux juste qu'il soit éduqué et en faire un bon officier de police. Papa, ne me fais pas changer d'école, s'il te plaît. Eh bien, mon garçon, pour te récompenser pour le courage dont tu as fait preuve, nous allons attendre la fin du semestre. Ouais! C'est bien que vous gardiez une moustache. Merci. C'est ce qu'il faut inculquer à ces garnements. Ils doivent faire pousser leur moustache quand ils seront grands. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Monsieur le prof moustacheux, vous devez faire serment. Dites dès maintenant, je le jure. Dès maintenant, je le jure. Que mon fils Rupendra. Que mon fils Rupendra. Mon fils, pas le vôtre. Votre fils Rupendra. Sera avec vous à chaque instant. Sera avec moi à chaque instant. Et vous seul lui enseignerez. Oui, je lui enseignerai. Je lui enseignerai. Écoutez-moi bien, et si jamais il a de nouveau des ennuis, vous serez le responsable. Oui, oui. Bonjour à vous. Venez tous à l'intérieur. Je viens de préparer du thé. Quel garçon intelligent! Ton idée de faire venir un prof moustachu a porté ses fruits. Mais dis-moi une chose. Comment as-tu eu cette idée, mon petit? Je sais à quel point papa aime tout ce qui concerne les moustaches. Ah. L'autre jour, Sir Kinjal m'a fait mettre un turban et il m'a dessiné une fausse moustache avec un crayon. Ah. Et ensuite, en me tortillant la moustache, j'ai dit « C'est ça, être un vrai homme !» Bravo, mon garçon, bravo! Tu es tellement rusé, toi! Roup, tu es tellement génial! Tout le monde ne parle que de toi au village. En plus, et les professeurs viennent pour parler avec papa. Imani, donne-moi des galettes avec beaucoup de sucre. C'est pour ceux qui sont venus parler avec papa. Je vais leur donner. Tu veux les soudoyer? Pas du tout. Je suis le fils d'un officier. Comment pourrais-je les soudoyer? Je voulais juste montrer mon appréciation envers eux. Bye.
Ranvir, il est où le journal? Je faisais une guirlande. Oui, tenez mon oncle. Je vais demander à Kinjal de lire pour vous. Pourquoi? Tu ne sais pas lire. Je veux que tu me lises le journal pour changer. C'est vrai. Depuis ton arrivée, tu te comportes comme si tu étais quelqu'un d'illettré. Vas-y. Un homme de la région, le brave Shamshir Wing Wagela, s'est démené corps et âme pour appréhender deux fugitifs. Ah, mon frère. Et son fils, Rupendra Singh Wagela, a aussi fait preuve de beaucoup de courage. Eh ben, dis donc, mon frère, toi et Rupendra, vous faites la une des journaux. Hé, hey, Rup, aujourd'hui, tes amis vont encore te féliciter, tu sais. Tu as fait la une des journaux, après tout. Il y a mon nom dans le journal? Oui. Je peux y aller? Eh non, que s'est-il passé? Lis-moi tout l'article. Pourquoi est-ce que mon oncle me fait faire le travail de Kinjal? La maladresse de Madame SP a aussi conduit à ce qu'elle soit immédiatement transférée. En voilà une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle de la journée, ma sœur. C'est comme de la musique pour mes oreilles. Ouais. Hey, Rupendra, mon garçon, viens donc t'asseoir à côté de ton papa. Viens, mon garçon. Viens. Toi aussi, Ranvir. Oui, oui, j'arrive. Attends, reste là et continue à me lire l'article complet. Bonjour, monsieur Shamshir. Bonjour, c'est bien que vous soyez venu. Asseyez-vous. Monsieur Shamshir, le département de la police vous félicite aujourd'hui. Et vous n'allez pas seulement être réintégré chez nous, mais vous allez aussi être promu, monsieur Shamshir. Vous et votre fils êtes aussi invités à recevoir un prix pour votre bravoure. Mon brave garçon. Eh bien, monsieur Shamshir, vous devez venir avec votre famille. Et voici l'invitation officielle. Tiens. Le souci, c'est que la femme de Shamshir ne se porte pas bien. Elle ne pourra pas venir, vous comprenez? Elle ne va pas bien? Que lui est-il arrivé? Elle a une migraine depuis ce matin, hein? Elle ne viendra pas, elle ne peut pas. Votre femme et vos enfants devraient être présents, pour que ce soit plus mémorable. Monsieur, maman sera là. Je vais guérir son mal de tête en un clin d'œil. Maman, tu as mal à la tête? Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Viens avec moi, je vais te faire un massage. Oh non, non, ce n'est pas grave, ça finira par passer. On doit aller à une réception ce soir. Et si tu as mal à la tête, tu ne viendras pas. Et si tu ne viens pas, je ne pourrai pas m'amuser. Alors viens, allez, dépêche-toi. Roup, Roup. Dépêche-toi, allez. Roup. Quand Tati viendra dans la cour avec le linge pour le faire sécher, je vais renverser de l'eau savonneuse sur le sol. Et alors elle va glisser. Elle ne peut quand même pas vénérer le Tout-Puissant et ne jamais être heureuse ni gentille. Taisez-vous tous les deux. Ma tante est bien plus âgée que vous deux. Apprenez à la respecter. Et toi, Kinjal, allez, va tout de suite te préparer. Et prépare Hope aussi. Bon, d'accord, Imami. Nous devons partir. Mais non, rasseyez-vous. Vous n'allez pas me donner des conseils. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez insisté pour que je m'excuse à Madame SP. Vous avez même dit des choses sur le poisson et le crocodile. Et nous ne sommes pas des petits poissons. Alors ne vous en prenez pas au crocodile. Maintenant dites-moi, qui est le poisson et le crocodile? Oui, monsieur Shamshir, oui. On peut y aller. Rasseyez-vous, messieurs. Buvez une tasse de thé. Eh bien, je ne peux pas prendre le thé en face d'un supérieur. Surtout en service, non? Oui, c'est vrai. Nous devons y aller. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Idiot, comment peux-tu t'éventer avec un journal en public, hein? Dis-moi. Je vais aller chez le coiffeur pour qu'il s'occupe de ma moustache. D'accord. Je viendrai manger plus tard.
Je vais aller chercher quelques gâteaux pendant ce temps. Pousse-toi. Le nom de Rupendra est écrit en gros. Tout le monde ne fait que de le vanter. Personne ne se soucie de moi. Ranveer voit tout rouge, parce que Rupendra fait les gros titres. Dépêche-toi, va prendre un peu d'eau froide, allez, allez. Laisse-moi tranquille, pourquoi dois-tu te soucier de moi? C'est surtout parce que je m'en moque complètement que je te dis de repartir dans ton village, Ranveer. Petite peste. Arrête, maintenant c'est bon, je n'ai plus mal à la tête. Tu ne prends pas assez soin de toi. En plus de ça, tu te couches souvent tard. Et tu te lèves tôt le matin. Et tu ne manges pas correctement. Avec de telles mauvaises habitudes, tu auras des migraines. C'est pourquoi je t'ai déconseillé d'aller à la réception. Si c'est seulement papa et moi qui recevrons le trophée, je me sentirai vraiment mal. Rup, mon fils. Écoute, dis-toi que ta maman sera toujours à tes côtés ainsi que ton père. Nous allons applaudir tout ce que tu vas accomplir dans la vie. Maman, papa est allé chez le coiffeur. Il viendra manger à son retour. D'accord. Hé ! Mais qu'est-ce qui te prend à m'appuyer sur la tête comme ça ? Je vais finir de me laver avant le retour de papa. Sinon, il voudra que je prenne un bain avec lui. Je n'aime pas prendre mon bain à l'extérieur. D'accord, d'accord, vas-y. Bon, dépêche-toi et va te laver, Rup. Vas-y. Merci, maman. Imani, tu sais, quand Sœur Jigna et Sœur Kinjal reviendront de l'école, est-ce que tu pourrais leur dire qu'elles doivent porter ces robes plus tard? D'accord, contire-moi. Imani, j'ai déjà choisi une robe pour toi, pour la réception, alors porte-la, d'accord? D'accord, mais tu dois y aller ou tu vas être en retard, hein? Imani, c'est son repas. Allez, dépêche-toi. Attends. Maman, regarde sur la troisième étagère de ton armoire, maman. J'ai choisi une robe pour toi. D'accord. Vas-y. Allez, Rup. Eh bien, ma fille, je devrais partir. Mais papa, tu devrais attendre ce soir. Mon mari et mon fils vont avoir une médaille. Cela rendrait Rup heureux si tu pouvais rester pour le voir. Cela plairait sûrement à Rup, mais pour mon gendre... Nous ici. Et pour moi alors? Toi, t'en auras demain, c'est d'accord? C'est d'accord, j'attendrai demain. Mais tu sais, Rup, je suis triste que tu doives changer d'école. Je ne veux pas que tu partes. Et en plus, je suis vraiment très inquiète pour toi. Moi aussi, j'avais peur au début. Et encore plus quand ces idiots ont réussi à m'attraper. Je veux un autographe. J'en veux un avant que tu partes. T'as fait tomber toutes mes fleurs. Regarde un peu où tu vas, Ranveer. Hein? Eh, monsieur. Par ici. Oh, va garer ta moto sur le côté. Et va chercher ma bouteille d'huile et le peigne en haut pour enlever mes poux. Allez, vas-y. Le truc, c'est... vous apportez le peigne, le shampoing. Je ne fais jamais tous ces trucs de fille. J'ai accepté de le faire avant. Parce que c'est vous. Mais à partir de maintenant, ne me faites plus faire des trucs aussi stupides. Hein? Boum, boum, boum. Ma tante, venez avec moi, je vais apporter votre peigne. On dirait que Ranveer a oublié qu'il devait avoir de bonnes manières quand il a grandi. Ma tante, oui, venez. Oui, 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 oui. Eh ben, j'aurai une médaille à la réception de ce soir. Tu es vraiment un bon ami, Rup. Tu es mon meilleur ami. Et tu es aussi ma meilleure amie.
Félicitations, monsieur le député. Félicitations, monsieur le député. Bonjour à vous, madame. Namasté, madame. Oui, bonjour, namasté. Bonjour. Allez prendre place, tout le monde. Je vous rejoins. Assurez-vous que tout se passe comme prévu. Il est étrange, n'est-ce pas, que le département de la police fasse soudainement l'éloge d'un officier qui n'écoute rien et fasse partir son supérieur. La grande Dourga est tombée de son trône avant même de pouvoir dompter le lion. Et j'avais dit que je reprendrai le travail seulement quand vous serez transféré. La grande déesse est seulement tombée de son trône. Mais elle va vite y remonter l'année prochaine. On m'a juste transféré, mais pas suspendu. Mais vous savez que je viens d'être promu. On m'a nommé député. C'est encore un pas de plus pour prendre votre place. Félicitations. De rien. Je vais vous garder la place au chaud. Venez. Le département de police doit de rendre hommage à Shamsher Singh Wagela et à son fils Rupendra Singh Wagela pour la bravoure dont ils ont fait preuve en faisant leur devoir. Je demande aux députés de bien vouloir monter sur scène afin de rendre les honneurs. Je rêve de participer à la parade du 26 janvier avec mon fils tant que je suis encore là, et cela avant de prendre ma retraite. Je ne vais pas mettre de côté mes principes juste pour saluer une femme, parce qu'en tant qu'homme, je refuse catégoriquement de me ridiculiser. Vous êtes maintenant suspendu jusqu'à nouvel ordre. Pour votre mépris du protocole. Je voudrais demander à Rupendra Singh de dire quelques mots sur son père. Seul un fils peut vraiment connaître son père, dire quel genre d'homme il est. Vas-y. Mon père est une personne très courageuse. Je n'avais jamais vu une seule lueur de peur en lui.
quelqu'un qui fait preuve de courage. On en trouve partout. Mais une vraie personne qui a du cran est celle qui s'oppose toujours à toutes les injustices. Mon grand-père m'a dit une fois que l'on peut trouver n'importe qui faisant preuve de courage n'importe où, mais qu'une vraie personne avec du cran est celle qui se dresse contre toutes les injustices. Ta maman est aussi pleine de courage et ne s'arrête jamais d'avancer. Elle s'occupe de nos frères et sœurs et aussi de papa. Elle n'attrape pas les criminels. Mais c'est en fait ta maman qui est la plus grande force qui motive ton papa à les attraper. Et c'est pour ça que tout comme papa, ma maman est aussi ma plus grande héroïne.